bien les faire lire, pilotés par des femmes d'exception, comme les deux. Dans le 92, vous êtes combien ? 900. 900 bénévoles. Oui. Vous vous occupez de combien d'enfants, à peu près ? Par semaine, on doit en voir 20 000 à peu près. 20 000 par semaine. En département, nous avons des écoles maternelles, beaucoup, 180. 180 maternelles. 180 maternelles. On a 80 écoles élémentaires et 80 structures petite enfance, parce qu'on commence aussi à lire à des tout petits. À Boulogne, vous êtes combien ? Combien 37, d'écoles ? 37 bénévoles, on a 9 maternelles, une élémentaire, un jardin d'enfants privé, oui c'est une maternelle, et puis trois crèches municipales et deux crèches privées. C'est quoi le processus ? Alors déjà il y a l'inscription. L'inscription, il y a un grand échange qui se fait entre la coordinatrice et le bénévole qui appelle en disant, une fois qu'on a fait cet échange, on propose une réunion de rentrée pour tous les nouveaux, pour leur faire une initiation à la lecture et surtout à la littérature jeunesse, parce qu'on a une littérature jeunesse qui est magnifique et il faut vraiment la partager avec les enfants. Là, on fait aussi une formation souvent de ce qu'on appelle la lecture à voix haute, un peu la gestion de groupe aussi. Il faut savoir que ça se passe avec des petits groupes d'enfants. On n'a jamais des classes entières. On a entre 2 et 6 enfants. On les garde en maternelle une vingtaine de minutes. On leur lit une ou deux histoires. On les laisse s'échanger. On ne remplace pas les enseignants. On ne pose pas de questions pédagogiques ou autres. Ça, c'est le travail des enseignants. Nous, on est dans le plaisir, la gratuité, les choses qui sont fluides, la bienveillance, le rire. Enfin, vraiment, il y a de tout. Un peu d'émotion, parfois aussi. C'est pas nuisible, voilà. Donc c'est très important d'avoir ce rapport avec l'enseignant qui nous demande de venir dans la classe. Et quelque chose qui est à notre portée, le simple citoyen, et on peut intervenir dans l'ensemble de nos communes, puisque Lire et faire lire existe sur toute la France. Il y a 17 000 lecteurs aujourd'hui, et dans tous les départements. Et quand on veut s'adresser à quelqu'un de son département, il suffit d'aller sur le site national et de cliquer sur la carte de France, et on trouve tout de suite l'interlocuteur qui va vous dire ce qui se passe dans le département. Donc ça, c'est très facile. On peut même s'inscrire sur le site. Donc ça va vraiment être notre boulot à nous, aux Maisons des Citoyens, d'ouvrir nos carnets d'adresses, d'inviter un maximum de gens pour qu'on ait un bilan collectif, pour que ce soit une œuvre véritablement collective. Alors je voudrais rajouter quelque chose, c'est qu'on agit au niveau des enfants. On va leur donner le goût de la lecture. Mais nous, lecteurs, bénévoles, on prend notre pied. C'est délicieux. Il y a des gens qui me disent « Ah, mais c'est un bain de jouvence. C'est merveilleux, je me régale. Chaque fois que je vais à l'école, j'ai le sourire, ça me sort de chez moi. » Je crois que ça, c'est très important aussi à faire passer. Et à Boulogne, vous avez besoin de bénévoles. Alors, lancez votre appel, parce qu'on est là pour ça. J'ai besoin de bénévoles. Là, j'ai des écoles, une école qui a 3 bénévoles, qui en perd une, donc il faut que je la remplace. Et qui, j'ai dit, vous en voulez pour les autres sections ? Oui, oui, pour les petites sections, pas de problème. À partir de 50 ans, on accepte tout le monde. C'est super. Donc, l'appel est lancé. Le sens profond de ce que nous faisons tous collectivement, c'est d'aider l'école à lutter contre l'échec scolaire. Parce que la question du plaisir, elle est absolument centrale. Les 20% d'enfants qui ne maîtrisent pas l'écrit à l'entrée au collège, ce sont des enfants qui sont passés par l'école, mais qui n'ont jamais éprouvé de plaisir. Et ça, ça n'est pas à la portée d'un gouvernement ou d'une loi, parce qu'on ne va pas faire une loi pour dire « tout enfant prendra du plaisir ». Donc, ça se transmet d'être humain à être humain. Ensuite, il y a un enjeu de lutte contre la violence, parce que c'est une politique de fond. Si on remplit de mots nos enfants, nous aurons des adolescents dans tous nos quartiers qui auront du vocabulaire. Or, on sait qu'il y a une corrélation très étroite entre la violence et l'absence de vocabulaire. Et puis, c'est aussi un programme d'intégration réciproque. Parce que tous les nouveaux Français, à un moment, il faut que leurs enfants aiment quelqu'un. Il faut faire de l'intégration tendre et réciproque. Aussi parce que les préjugés tombent à partir du moment où autour du livre, on s'aime. Donc, quand on parle d'intégration, à un moment donné, j'ai envie d'ajouter, oui, c'est vrai. Ça marche quand c'est tendre.
quand c'est profondément tendre. Et ce qui fait, ce qui cimente un pays, c'est le fait qu'il y ait un maximum de gens qui s'aiment et qui repartent avec des dessins sur les frigos. Ça, c'est un programme de fond pour réparer notre pays. Donc, si les maisons des citoyens s'engagent là-dedans, vont chercher des bénévoles, vont chercher des écoles, sensibilisent, font leur part, eh bien, on fera de la politique au sens grec du terme, c'est-à-dire de la gestion de la cité.